Au Mexique, El Chapo file de nouveau entre les doigts des policiers. Le baron de la drogue en cavale, Joaquin Guzman, un des plus puissants narcotrafiquants au monde, a encore réussi à s'enfuir, même s'il s'est blessé cette fois à la jambe et au visage, selon la police. L'opération menée dans le nord-ouest du pays intervient après son évasion spectaculaire d'une prison en juillet dernier.